Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par VIM à l'occasion du rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée dédiée au travail hybride, nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les enjeux en matière de cybersécurité et notamment de sécurité. En l'occurrence, on va s'intéresser plus précisément à la sécurisation de vos données. Les attaques de ransomware sont chaque jour plus nombreuses et nous avons tous de nombreux exemples autour de nous d'activités à l'arrêt au sein des entreprises sur plusieurs jours voire sur plusieurs semaines comment s'assurer du maintien de l'activité de son entreprise Quoi qu'il arrive, nous avons convoqué un expert pour cela et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de, euh, du rendez-vous des décideurs IT, Baptiste Tellier, Cloud System Engineer chez VIM. Bonjour Baptiste Tellier. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer peut-être par définir VIM pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas. VIM, c'est un acteur de la sauvegarde et de la réplication de données. C'est bien ça, c'est la bonne définition de l'entreprise C'est bien ça. Alors aujourd'hui, on est un peu connu sur le marché, sur la partie vraiment sauvegarde. On est une entreprise américaine. Euh, on, est un peu plus de, on a un peu plus de 400 000 clients dans le monde. D'accord. Et euh, c'est un chiffre d'affaires autour des 1 milliard, 1 milliard 1 de, de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est une belle structure, c'est une belle boîte euh, à dimension euh, internationale. Spécialisé dans tout ce qui va être sauvegarde des données. Et alors, justement, quel est le rôle de ces sauvegardes en question pour une entreprise aujourd'hui bah Alors, la sauvegarde, on, je pense que bon, tout le monde s'en sert un peu tous les jours, mais on tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on pense que c'est quelque chose d'acquis. Euh, c'est quand même quelque chose de très important, la sauvegarde. Ça permet d'assurer une continuité d'activité. Ça permet ouais. vraiment de, de protéger ces données, euh, que ce soit ces données personnelles, que ce soit ces données d'entreprise, que ce soit vraiment. Euh, euh, Tous ces données qui, qui font la richesse d'une entreprise, voilà, ça permet de les sauvegarder, de les protéger contre beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques qui existent. Donc ça, ça veut dire en fait que pour, alors on va évoquer le contexte dans un instant, mais juste pour qu'on qu comprenne bien, en fait on sauvegarde quoi L'intégralité des données de l'entreprise de manière régulière et c'est ce qui euh, va nous permettre de reprendre une activité si jamais on voit du jour au lendemain ces données chiffrées. Alors chiffrées ou bien vraiment tout un, un tas de risques plus que chiffrés ça peut être aussi des risques de tremblement de terre des risques de, de feu des risques d'incendie voilà il y a beaucoup de risques qui peuvent attaquer et, euh, et compromettre les données et Bien ces sûr. données permettent de faire fonctionner l'entreprise donc après ça veut dire panne panne de système ça veut dire les, les employés qui peuvent plus travailler qui peuvent plus produire pour, pour l'entreprise donc euh, voilà c'est on va sauvegarder vraiment l'intégralité de toutes ces données et où qu'elles soient parce qu'aujourd'hui elles sont un peu partout hein. on parlait euh, du, on parle souvent du multi-cloud de l'hybridation elles sont vraiment partout les données donc, il faut être capable de les identifier et de, se, de tout sauvegarder intégralement. Alors justement, si on donne un peu quelques éléments de contexte, on est aujourd'hui en 2022. Euh, les entreprises euh, donc, euh, ont commencé leur mue digitale il y a maintenant une dizaine d'années. Il y a quand même eu une grosse accélération sur les deux années précédentes. Quel est le contexte IT des entreprises aujourd'hui que vous constatez chez vim Alors, Vim publie régulièrement, tous les ans à peu près, un rapport euh, sur, sur justement cette croissance d'utilisation des services cloud. Parce que euh, c'est, on va dire, c'est le futur. On en parle depuis 10 ans, mais ça n'arrête pas. Bien sûr, donc, on ouais. dit, on a euh, dans le rapport, plus de 60% d'utilisation de, supplémentaire des services cloud. Oui, parce qu'il y a 10 ans, c'était les très grosses entreprises, ou en tout cas voilà, les plus exactement. en pointe. Maintenant, on, ça touche tous les secteurs d'activité et toutes les tailles d'entreprise. Exactement, puisqu'on on voit bien les, les, tout ce qui va être PME, euh, petite entreprise, etc., ont besoin aussi de, de se cloudifier pour, pour euh, arrêter d'avoir la responsabilité de l'intégralité de, de toute l'infrastructure, de, de, de se décharger un peu pour vraiment se concentrer sur leur métier à eux. Donc, grosse croissance euh, sur l'utilisation des services cloud. D'accord sens aussi sur l'utilisation des services SaaS ce qui va être ce qui rejoint le cloud quand même quelque part ce qui rejoint le cloud mais le, le SaaS c'est vraiment on se délègue on délègue la maximum de responsabilités on veut juste utiliser un service et on veut pas du tout savoir comment il fonctionne L'exemple le plus simple pour le, le commun des mortels, c'est tout ce qui va être Gmail. Mmh. On a juste une boîte de messagerie, on n'a pas besoin du tout de savoir comment ça fonctionne derrière. Bien sûr, que ce soit côté utilisateur, même côté IT finalement. Côté IT, mmh. voilà, on utilise vraiment juste un service, mais le problème de toutes ces, de, de toutes ces croissances vers enfin, le cloud, c'est aussi la ransomware. Euh, on en parlait en introduction, on a aujourd'hui plus de 7 fois, euh, plus un, enfin, c'est multiplié par 7 le nombre d'attaques ransomware, euh, de, de chiffrage des données, donc de, 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 de compromission des données d'entreprise. Euh, voilà, c'est multiplié ça, ça, par 7 quoi, par rapport à l'année précédente Par rapport ou... à l'année précédente. Donc okay. d'une année sur l'autre, on a x7. avec la pandémie, on a vu voilà, mais oui, vrai, on, a des rapports, des, on a vu Des, des, des brèches 7, absolument partout et des, euh, des sommaires absolument partout. Et avec surtout, en fait, des, on se rend compte que c'est des risques qui touchent toutes les entreprises et pas forcément que les grosses entreprises. En fait, c'est des, des attaques de masse presque. Et ensuite, oui, après, on chiffre des données parfois d'une TPE qui pense ne pas être la cible parce qu'elle n'aurait pas les moyens de payer, mais en tout cas, son, son activité est arrêtée. Il y a des attaques ciblées et il y a des attaques vraiment de large d'attaque lar euh, assez large et donc euh, on peut se retrouver soit dans une entreprise grosse entreprise ciblée ou alors juste euh, pas de chance on était dans une attaque de masse et euh, généralement euh, le maillon faible ça va être euh, quelqu'un qui a cliqué sur un mail ça va être euh, euh, quelqu'un qui s'est fait usurper son identité voilà ça peut aller très vite et donc euh, oui c'est vraiment ça, ça aujourd'hui c'est tout le monde alors pour bien comprendre euh, les, les enjeux là vous nous avez donné l'exemple de Gmail par exemple euh, c'est vrai qu'il y a des outils des outils qui sont très plébiscités aujourd'hui en entreprise de Gmail mais aussi Microsoft 365 euh, on imagine bien euh, ce sujet Somewhere, par exemple, quand on a un serveur de données stocké dans un entrepôt au sein de, 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 fin, des locaux de l'entreprise, on va euh, lancer une attaque sur ce serveur, les données sont cryptées, bon, on n'a plus effectivement accès à ces données, là, l'activité est à l'arrêt. Quand on fait appel à des services cloud gérés par des euh, géants du numérique, là, normalement, on se dit qu'on est prémunis contre ce genre de risque, puisque des sauvegardes, il y en a déjà énormément. Oui, tout à fait. Mais l'exemple le, le, le plus simple, j'ai pris Gmail, parce que c'est pour vraiment le. le... Le commun des mortels, les gens qui ne sont pas techniques. Après, dans Bien la sûr. technique, aujourd'hui, on a vu beaucoup, beaucoup d'accélération sur l'utilisation de Microsoft 35. Donc, euh, Microsoft a fait un très gros push, est très, très utilisé aujourd'hui en France. Et euh, je crois que les derniers rapports, c'était plus de 55% des entreprises mmh. ne sauvegardent pas leurs données qui sont dans Microsoft 35. Mais alors pourquoi doivent-elles le faire Parce qu'en qu en fait, elles ont un, une mauvaise perception euh, du partage de responsabilités. C'est que Microsoft est responsable euh, de tout ce qui va être infrastructure. Donc le fameux ouais. serveur que, que normalement, qui tourne chez soi, on le fait tourner par Microsoft. Et donc Microsoft est responsable de, ce, de cette qualité de service, qui soit toujours disponible, qui soit euh, sécurisé, etc. Mais les données qui sont dessus, donc les données qui sont dans ces services de Microsoft, que ce soit Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, tous ces services... Euh, les données qui sont dessus, c'est de la responsabilité du client. C'est de la responsabilité okay. de l'entreprise. Donc toutes ces données dont on parle depuis le début, qu'il faut les sauvegarder, c'est pas parce qu'on les a poussées chez Microsoft que euh, naturellement euh, elles vont être sauvegardées par Microsoft. Mais... Il n'y a pas de service de sauvegarde associé avec le service de, 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 de faire tourner ces, ça dans, dans le cloud. Donc le simple fait de, de passer par des services cloud ne veut pas dire que derrière les données sont immuables et qu'on pourra les récupérer quoi qu'il arrive. C'est exactement ça. C'est la, la perception aujourd'hui, c'est le problème de perception qu'il y a sur le marché. Et donc ça fait quand même 2, 3, 4 ans que cette perception a tendance à changer, parce qu'on est passé de 70% non sauvegardés à, à plus de 55%. Et j'espère que le prochain rapport sera peut-être 40, 45, quelque chose comme ça. Mais voilà, ils, sont, ils se disent, oui, bon, bah, la corbeille que j'ai dans mon OneDrive, dans mon Exchange... Ça suffit, c'est une sauvegarde. Bah non, ce n'est pas de la sauvegarde. Euh, une corruption des données, euh, un ransomware, euh, une perte, donc il y a beaucoup de risques. On, peut, on pourrait lister en, ensemble les risques pour que les gens puissent facilement visualiser ce que, ce que ça représente. Mais voilà, ce n'est pas sauvegardé nativement par Microsoft. Microsoft ne propose pas de sauvegarde. Sur ces services Microsoft bah Justement, les, les risques, que, quels sont les, quels sont les risques à, à ne pas se sauvegarder ces données, Baptiste Allier Alors, <laughs> là va... vous m'avez lancé une perche, moi j'ai envie de comprendre. Oui, non, mais c'est, il faut vraiment que les gens y comprennent que euh, les problématiques qu'on avait sur ce fameux serveur de premise on les retrouve, les mêmes, exactement les mêmes euh, sur euh, sur ces services cloud. D'accord. La suppression accidentelle, voilà, okay, un utilisateur ouais. qui supprime ses données, on va avoir une corbeille. Oui, donc là, mais là on est faut... loin du ransomware quand même. Euh... Ah non, mais on va commencer par le plus simple, la suppression des données accidentelles. Donc ça c'est un risque pour l'entreprise. C'est un Une erreur humaine. Une erreur humaine. La fameuse erreur humaine où on supprime quelque chose, où on le déplace dans un dossier, puis on supprime le dossier, puis après on va voir la personne de l'IT en disant bonjour. On eu... a fait CTRL-Z, ça ne marche pas, Je, donc je on comprends pas. pas, ils euh, sont ouais. mes données, personne ne les retrouve, et voilà, c'est perdu. Donc c'est important d'avoir une sauvegarde. Euh, les autres risques, ça peut être la, tout ce qui va être bon, la, la cybersécurité. Parce que les risques de désastre naturel, là, on les a bien mitigés avec l'utilisation d'un cloud public, d'un Microsoft par exemple, qui va être géorodondé, etc. D'accord, donc, donc là, ça va la avec, son, catastrophe avec la au au moins, promesse de Microsoft 365 de dire c'est accessible. Un service toujours accessible. Ça, euh, c'est les, les techniques de géoréplication sur différents data centers. Par contre, les cyber-risques, euh, les cyber-menaces, que ce soit interne ou externe, parce qu'on par, on parle souvent de cyber-menaces externes, d'un ransomware qui a crypté les données. Bien sûr, donc ça ça oui. peut arriver, parce qu'un SharePoint, c'est qu'un serveur de fichiers. Hein. Il peut se faire, faire crypter si jamais il est monté sur un, sur un poste de travail, des choses comme ça. Ça peut se faire crypter un OneDrive, ça peut se faire crypter un SharePoint. Mais on ne pense pas aussi aux menaces interne. Un employé qui n'est pas content quand il part d'une structure parce qu'il a été licencié... Qui part avec euh, les données Qui part avec les données, qui supprime tout avant de partir, qui essaie de mettre la, le, le bazar, ou euh, tout simplement des choses qui sont mal euh, sécurisées. Par exemple, un charpente qui est accessible sur Internet. Ça, on a vu plein de failles de sécurité ou de, 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 de brèches de divulgation de, de, des données. Euh, dans, on en voit presque toutes les semaines, malheureusement. Et ça suffit juste que c'est mal sécurisé. Ça peut être un charpente qui est publié sur Internet, qui a été mal configuré. N'importe qui peut avoir accès parce qu'il l'a trouvé par hasard. Et, et potentiellement l'éditer. Euh, l'éditer, le supprimer, le modifier. Donc voilà, c'est beaucoup de risques aujourd'hui sur ces données en les faisant tourner dans le cloud. Et il faut toujours, c'est là où la sauvegarde a, a, a son intérêt, c'est vraiment de garder ces données en dehors de la production. Pour que si jamais la production a un problème, quelle qu'elle soit la production, hein, quel que soit le cloud euh, public, privé, on-premise, Microsoft, ce que vous voulez, il faut toujours avoir une copie des données en dehors euh, de la production. Et alors justement, quand on parle de sauvegarde de données, très souvent on entend stratégie de rétention. Alors qu'est-ce que ça veut dire une stratégie de rétention quand on parle de, de données et de stratégie IT alors, il y a deux choses à comprendre dans une rétention. C'est combien de fois je sauvegarde par jour mes données. D'accord. Voilà, pour pouvoir, si jamais il y a un problème, que je puisse revenir. C'est ça la stratégie de rétention. C'est configurer en fait le nombre de fois où je vais assurer des sauvegardes pour récupérer la dernière version le jour où j'ai un problème. C'est ça. Il y a vraiment combien de, combien de fois je vais sauvegarder mes données dans une journée pour revenir au plus proche de mes données si jamais il y a un problème. D'accord. Et la stratégie de rétention, c'est aussi la rétention, comme son nom l'indique. Où est-ce que je les stocke où est ce que je les stocke combien de temps je les stocke? parce qu'il y a des sûr. obligations légales dans le secteur bancaire dans le secteur des assurances des choses comme ça où faut des, des ou même pour, le, pour des problèmes on va dire euh euh, légal, euh, RH, euh, prud'homme, etc., c'est 2, 3, 5, 10 ans parfois. Oui, fois. parce que parfois il y a des données clients ou des données sensibles, effectivement, et il faut les gérer, c'est là. Il faut les gérer, et puis il faut, faut pouvoir, euh, si jamais il y a un conflit, euh, un problème euh, juridique ou quoi, il faut pouvoir les ressortir si jamais elles ne sont plus en production. Et donc c'est là où la stratégie de rétention, en fonction des secteurs d'activité, est assez importante. Donc voilà, aujourd'hui, la stratégie de rétention sur des données euh, qui seraient. Euh, dans le cloud, et c'est très critique, c'est entre 3 et 5 ans généralement, mais dans des secteurs très critiques comme la santé ou le bancaire, ça peut être 10 ans ou plus, ou moins infini. Et ça, ça va dépendre de quoi Ça va dépendre de l'activité de l'entreprise Ça va dépendre de l'IT de l'entreprise Ça va dépendre de ses craintes vis-à-vis -vis de la sensibilité peut-être de ses données ou du risque d'attaque aussi C'est généralement le secteur d'activité. Ça joue énormément parce qu'on sait que l'assurance, le bancaire, la santé, c'est des secteurs qui ont besoin d'avoir une stratégie de rétention assez longue. Et ça va dépendre aussi de... de, de de la criticité de la donnée. Il y a des données oui. qui sont beaucoup plus critiques que d'autres et donc il va falloir faire un choix un peu pour savoir voilà, quelles sont les données critiques et combien de temps je vais devoir les garder. Et ça, ça va dépendre du, du secteur d'activité. Et aussi, des, 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 certaines sociétés ont des assurances et ces assurances ont besoin, bah, voilà, c'est écrit dans le contrat actuellement, hein, d'avoir de la sauvegarde. En dehors de la production, peut-être même plusieurs sauvegardes sur plusieurs types de, de données. Hein, ça peut être du disque, ça peut être de la bande, ça peut être plein de types, sur une rétention assez longue. J'aimerais revenir, si vous voulez bien, sur un peu les, les, les raisons qui doivent pousser à faire des sauvegardes. Alors, vous avez donné l'exemple de Microsoft 365. Euh, toutes les données de l'entreprise ne sont pas sur euh, les services Microsoft 365. Pour autant, on doit effectivement prendre en compte le fait que les données sont de plus en plus. Euh, bah, de plus en plus euh, conséquentes sur ce service cloud ou sur ces services cloud puisqu'en fait tout passe euh, dans un environnement de travail hybride, ce qui est d'ailleurs la thématique de cette journée, euh, bah, de plus en plus de collaborations passent par ces outils-là. Donc vous nous disiez euh, que, que tout à l'heure, euh, la suppression accidentelle, c'est le premier risque qu'il faut prendre en compte quand même. C'est le premier risque qui euh, fait en sorte que les entreprises enfin, fassent le choix d'aller sauvegarder les données. C'est vraiment, ils ont tous identifié ça à plus de 60% que la suppression accidentelle, c'est vraiment le premier risque à prendre en compte. Et le deuxième, c'est la cybermenace. Et le deuxième, c'est la cybermenace. Alors, je reviens sur, bah, sur, ou sur les deux, ça veut dire qu'on a eu des mauvaises surprises d'entreprises aujourd'hui qui se sont rendues compte finalement qu'ils avaient perdu leurs données parce qu'une personne, quelque part, avait ah, appuyé, appuyé sur le bouton supprimer. Un administrateur qui, euh, se, qui fait une mauvaise manipulation sur un SharePoint, sur un Teams... Euh, sur des échanges de conversations etc il y en a eu dans la presse et euh, ça a mené à des suppressions complètes de euh, toutes les discussions euh, entre, entre les différents employés à des SharePoint complets à euh, donc des serveurs de fichiers il hein, faut vraiment se dire ça comme ça à des structures aussi de Teams parce que donc c'est important de bien comprendre quand on, on parle de Microsoft 35 les données sont sur Exchange les données sont sur SharePoint sur, mm -hmm. sur OneDrive mais aussi sur Teams d'accord Teams il y a toute une structure de, euh, de channels, euh, toute une structure sûr, de, discussion, de, discussion, de groupes, oui. de discussions, etc., qui, qui, est, qui, fait aussi, euh, qui est assez importante à sauvegarder, avec des permissions d'accès à, euh, à ces différentes structures. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut sauvegarder. Donc euh, on, on comprend effectivement qu'il faut sauvegarder euh, l'intégralité euh, des données. Euh, je reviens aussi sur la stratégie de rétention. Vous nous avez dit qu'on peut, peut les garder longtemps. Euh, et euh, une bonne sauvegarde, elle se fait tous les combien, selon vous à, à minima, c'est une fois par jour. Une fois par jour, c'est une fois par jour. Euh, avec des rétentions qui peuvent aller de, de 3 à 5 ans, on va dire que c'est la norme. Aujourd'hui c'est la norme et c'est un minima pour se protéger euh, d'une du, du, attaque qui aurait eu lieu. Un, dans la journée de pouvoir revenir à la veille, c'est un minimum. Mais sur des données critiques, des fois on voit des, des sauvegardes en continu, on voit des sauvegardes toutes les heures, on voit des choses. Euh, ça va vraiment dépendre de nature des données, mais un minimum c'est une fois par jour si c'est possible. À minima une fois par jour, est-ce que pour autant le fait de faire une sauvegarde une fois par jour, ça m'assure de pouvoir récupérer mon activité le lendemain si jamais je me suis fait attaquer le jour même Alors c'est là où faut faire attention aux solution de sauvegarde qu'on qu met en place, parce qu'il y a l'aspect je sauvegarde, mais il y a l'aspect je restaure aussi. D'accord. Donc sauvegarder c'est bien, restaurer c'est mieux, mmh. et euh, ça peut prendre du temps. De Restaurer des données. Si jamais, on a des énormes quantités de SharePoint, des énormes quantités de données qui ont pu être effacées, altérées. Il euh, faut bien se prendre en compte que euh, la rest restaurer rapidement, ça doit aussi faire euh, partie de la réflexion de l'entreprise. Et ça, c'est une autre stratégie. Il y a la stratégie sauvegarde, et ensuite, il y a la stratégie restauration. Exactement. Il faut savoir ouais. où est-ce qu'on va restaurer. Donc, le plus simple, c'est on utilise Microsoft. Ben, on va re restaurer dans Microsoft. Mais si jamais il y a un problème avec Microsoft, faut pouvoir restaurer ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment des, des, des des réflexions qu'il faut avoir à moyen et à long terme mmh. si jamais on veut se sortir d'un service cloud quel qu'il soit d'un cloud public d'un hyperscaler quel qu'il soit c'est garder la main sur ces données et pouvoir en sortir et donc c'est pouvoir restaurer ces données ailleurs en ayant complètement la main et pas dans un format propriétaire avec le cloud parce que si on utilise une technologie native qui, qui est proposée par le, le service Généralement, ça va être bloqué sur ce service. Donc faut garder la main et donc il faut garder en tête que c'est important de protéger ces données, c'est important de réfléchir le jour où j'ai un problème avec ces données. Bien sûr, comment est-ce que je fais Comment est-ce que je fais et faire des tests, valider que ça marche. Combien de temps ça va mettre Ça arrive, ça d'ailleurs, qu'on qu stocke des, des données. Et en fait, le jour où on veut les récupérer, on se rend compte que finalement, on ne les a pas suffisamment bien gérées. Pas, pas les données, mais la sauvegarde de données ah bah, Malheureusement, oui, ça arrive. Alors, il y a plein de. Nous, notamment chez Vim, on a des technologies de, de tests pour tester régulièrement ces sauvegardes. Pour vérifier qu'elles sont toujours Donc, un jour vraiment, on va en les, on va les restaurer, On va les restaurer dans un environnement isolé pour valider si, euh, si vraiment, le jour où on en a besoin, ça va fonctionner. Parce que euh, les médias qui servent à stocker ces données peuvent être corrompus. Pour ça aussi ouais. faut plusieurs copies Mais il faut peut être rempli pourquoi Parce que la, la cyberattaque aurait été tellement organisée qu'elle sera allée chercher la sauvegarde et les données ou parce que oui. pour d'autres raisons ah pour, pour deux, c'est les deux raisons, les deux, ça peut être les ouais. deux. Ça <laughs> vraiment, euh, soit l'attaque a été tellement élaborée qu'elle est allée à crypter des sauvegardes. et rend inaccessible aussi ces sauvegardes, parce qu'elles étaient toujours en ligne. Et donc c'est là où on a besoin d'avoir des médias déconnectés, des bandes, des choses comme ça. Ou ça peut être tout simplement parce que le média, c'est des disques. Des disques durs aujourd'hui. Il euh, y, y a un taux d'échec de, de, sur des disques durs qui sont de 0,000. Euh, mm -hmm. mais malheureusement euh, ça suffit pour qu'il y ait euh, un, une petite partie de la donnée qui soit altérée euh, sur des disques euh, ça reste des supports physiques hein, et du coup ça peut être altéré et euh, il peut ça peut arriver qu'après c'est corrompu on ne puisse plus restaurer donc c'est pour ça qu'il faut les tester euh, sont testés généralement régulièrement c'est oui. aussi une autre euh, une autre stratégie à bien prendre en compte avec comme risque quand même toujours le même celui de ne pas pouvoir maintenir l'activité au niveau où elle était avant euh, bah, le, la suppression accidentelle ou avant euh, l'attaque puisque on n'aura plus les données qui permettraient de maintenir, maintenir l'activité ouais, tout à fait c'est ça hein. imaginez un service Comptabilité, euh, qui euh, euh, fait sa comptabilité annuellement, euh, l'archive dans un coin, parce que c'est la grosse clôture annuelle, etc. Et l'année d'après, ils, après, ils ont besoin ouais. d'aller chercher l'année d'avant. Euh, ça fait un an qu'ils n'ont ont pas été accès, ils ont besoin d'avoir accès, ça ne marche plus. Ben là, ils ont intérêt à pouvoir restaurer rapidement parce que sinon, euh, la, la, la clôture annuelle, elle, elle va être compliquée. Quoi. Bien sûr. Alors deux, deux questions pour finir. D'abord, si je reprends cet exemple comptabilité, je suis une TPE euh, française euh, spécialisée dans le bâtiment. Mettons, je considère que je n'ai pas les moyens de payer une amende euh, et je considère que ma comptabilité n'intéresse personne. Est-ce que pour autant, je n'ai pas besoin de sauvegarder Mais Si, je veux dire, ce n'est pas parce que ça n'intéresse pas les gens, que ça n'intéresse pas les, cyber, euh, les cybercriminels, que malheureusement, bah, on ne peut pas faire partie de, de ceux qui vont être attaqués euh, de façon indistincte. Voilà, ils vont être attaqués parce que euh, quelqu'un a ouvert un, une pièce jointe dans un mail, donc euh, c'est du spam. Euh, malheureusement, quelqu'un a ouvert et, et ça va être attaqué sans être ciblé. Donc voilà, il faut qu'il fassent attention. Ils vont envoyer ça à toutes les entreprises potentiellement. Ils vont envoyer dans ça secteur, et, à toute et, ouais. une base d'adresses de, 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 de email et puis euh, malheureusement, ça, ça arrive que voilà votre entreprise peut être dedans. Donc c'est une raison de sauvegarder parce qu'on n'est pas forcément ciblé, on n'intéresse pas les gens, mais on peut faire partie d'une de, 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 voilà, de, attaque plus large. Et la suppression accidentelle, ça, ça, ça fait partie ça, ça de ça. Ça concerne toutes les entreprises. Donc en fait, la sauvegarde, on avait l'habitude de le faire quand on était dans un scénario chez soi, on-premise. Ce n'était pas toujours bien géré, mais c'était quand même pris en compte. Et euh, il faut juste continuer à garder cette réflexion, à garder cette, euh, ce, ce besoin de sauvegarde, même dans des services, euh, services qu'on externalise. Même en utilisant du cloud, qui est un mot très générique, en utilisant du SaaS, du Microsoft 5 ou autre, il faut toujours, quel que soit le service qu'on utilise, sûr, oui penser à, OK, comment c'est sauvegardé Est-ce que c'est offert par la solution Est-ce que ça est pas voilà, ça Ce n'est pas automatique, pas en tout cas. Ce n'est ouais. pas automatique. Est-ce qu'il ne faut pas que moi aussi, euh, en, tant que, voilà, en tant que décideur, euh, en tant que DSI, je me dise bien, euh, mes données... Je les mets chez, chez, cette, chez, tel, chez tel acteur, est ce qui propose de la sauvegarde. Est-ce que je ne peux pas avoir ma propre solution de sauvegarde à moi Bien pour sûr, vraiment oui. avoir le contrôle des données Où est-ce que je vais les stocker Et comment je vais les restaurer si j'ai un problème Donc, ce n'est vraiment, euh, vraiment pas la cinquième roue du carrosse qu'il faut laisser de côté. C'est vraiment quelque chose de très important pour la continuité de l'activité. Aujourd'hui, il y a des sociétés, malheureusement, qui ne se remettent pas en activité parce qu'elles se sont fait euh, rendre elles se sont fait crypter. Les sauvegardes sont parties avec. Et là, elles se retrouvent sans aucun accès à leurs données. Euh, pas les moyens de payer et euh, malheureusement il y a eu des faillites à cause de ça. Une dernière question alors euh, un, un peu complexe mais on va essayer de faire un petit peu de prospective ensemble euh, Baptiste Tellier. Euh, Aujourd'hui, on est en 2022, il y a eu cette urgence liée à la pandémie d'équipement ou de réflexion sur des stratégies digitales ou de collaboration en lien avec euh, cet environnement de travail hybride. Là, on est dans une réflexion plus long terme, plus long terme pour toutes les DSI, pour toutes les entreprises pour dans au, au en lien avec leur stratégie digitale, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui qui soit toujours d'actualité euh, dans 5 à 8 ans Alors, question complexe, hein, on ne le sait pas, il y a plein de risques nouveaux qui peuvent apparaître, il y a plein de solutions nouvelles qui peuvent apparaître, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en prenant le moins de risques possible par rapport aux évolutions du marché sur les prochaines années alors, euh, c'est sûr que c'est une réponse. <laughs> Ce sera hein, une réponse de Baptiste Elie <laughs> voilà, C'est une question très complexe, parce qu'on a vu qu'avec le contexte sanitaire, le contexte géopolitique, euh, tout peut changer du jour au lendemain. Sûr, et donc, euh, faut. Euh, on imagine que si les services sont coupés avec les États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont américaines, euh, de, beaucoup de boîtes euh, qui sont même européennes, il voilà, faut, faut savoir. Quel, mais les services des achats savent très bien. Voilà, savoir quand même quels sont les services qu'on achète. Euh, et avoir une solution qui soit agnostique. Et qui soit euh, pérenne dans le temps. Et, et donc, euh, le plus pérenne dans le temps, c'est qu'il soit agnostique euh, du service. Bien sûr. Donc, si on met ces données euh, dans un Microsoft 365, il faut quand même que la sauvegarde soit indépendante et agnostique pour que ces données-là, on puisse les réutiliser sans avoir à, à consommer le service Microsoft 365. C'est la même chose avec Azure, c'est la même chose avec AWS. On parle de, de quelle que soit la stratégie qu'on va mettre en place dans le futur. C'est mes données. Ok, je les fais gérer, mes, mes services je les fais gérer, mais mes données c'est les miennes, comment je les sauvegarde, comment je les restaure et euh, vraiment avoir quelque chose d'agnostique. De ce service-là pour pouvoir changer de service, Bien pour sûr. pouvoir être hybride le plus, possible, le plus possible. Et à partir du moment où on va pouvoir bouger d'un acteur à l'autre sans difficulté, et ben voilà on ne sera pas bloqué dans 7 ans si la technologie évolue, parce qu'on pourra toujours migrer, faire bouger, annuler d'un côté, recommencer de l'autre. Et s'adapter aux évolutions de contexte. Merci beaucoup, Baptiste Allier. ben Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes Cloud System Engineer chez VIM. Merci à vous également d'avoir suivi ce webinaire proposé par VIM à l'occasion du rendez-vous des décideurs IT édition 2022.